Vous savez, je vous ai dit que l'actuel président de la transition guinéenne, qui est nulle autre personne que Mamadi Doumbouya, est impliqué dans le massacre du 28 septembre. Quand je vous dis ça, c'est étonnant, hein? Et quand on vous dit ça, même si ce n'est pas moi, vous allez être étonné. Maintenant, dans la position actuelle où l'on se trouve, le pays, surtout nous de l'opposition, on ne négociera pas avec ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas négocier avec les gens sataniques. Vous avez vu le sacrifice de Léon? Vous avez vu le sacrifice de Mohamed Léon? Vous avez vu ça? On ne peut pas négocier avec ces gens. Je suis là prêt pour les têtes de mort. Je vais tout dire aujourd'hui. Partagez s'il vous plaît. À 206 partages. Partagez. Partagez. Partagez s'il vous plaît. Partagez. La vérité sur Jordan. Jordan était à Matriste. Matriste, c'est quoi? C'est où? Matriste, c'est un coin de la Hollande. Matrix, c'est un coin de la Hollande où vivait Jordan. Avec qui on va négocier? Une personne qui a grandi dans le banditisme. On est dirigé par un bandit. Nous sommes dirigés par un bandit qui n'a ni froid aux yeux, qui n'a ni peur, qui n'a ni remords. Jordan est une personne pareille. Ousmane, Zaman, tu es parti avec tes têtes de mort. Je suis prêt pour vous. Jordan, il ne faut pas que le sacrifice... Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Facebook a restreint les vues. Mais quand vous partagez, on aura le maximum de personnes qui vont regarder. Je demande à tous mes brinquets de regarder et de suivre. Voilà, on est ensemble. C'est la Guinée. Pas de division. Guinée, basse Guinée, bas, moyenne Guinée, bas, haute Guinée, bas, forêt, bas. On est tous ensemble. C'est pour la Guinée. Il ne faut pas que ce sacrifice vous surprend. Il ne faut pas que ce sacrifice vous surprend, surtout vous étonne. Ça ne doit pas vous surprendre ni vous étonner. Parce que celui qui est là aujourd'hui, ce n'est pas le 5 septembre qu'il a cherché à être là où il est aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On a vu une de ses vidéos en 2017 où il parlait comme une réunion avec l'armée française pendant qu'il était avec la Légion, là où il a dit qu'on refuse de lui donner des armes pour peur qu'on fasse des coups d'État. Jordan était à Matrix. Il était à Matrix à Eindhoven. Eindhoven, c'était la Hollande. La haine qu'il a aujourd'hui contre le truc de Conte, c'est une haine qui ne date pas d'aujourd'hui. Et Allah, seul Dieu peut nous sortir dans un problème qu'on est là. Mais Dieu va nous sortir dedans. Parce que Dieu est en train de les exposer un à un. Sinon, le sacrifice qu'on a vu là, ça n'allait pas sortir. Ça là, ça n'allait pas sortir. Mais tout le monde a regardé la vidéo. Tout le monde regarde la vidéo. Mais moi, en tant qu'inspecteur d'Eric, je regarde la vidéo, je décortique la vidéo et je fais sortir les coins cachés sur la vidéo. Tout le monde regarde la vidéo, hein? Tout le monde a regardé la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo, moi, et je vais vous faire sortir des coins cachés. Et là, vous allez sortir après le live, allez-y regarder la même vidéo, voir que ce que votre frère a dit, c'est la réalité. Et là, voilà, il y a quelqu'un qui dit: j'habite à une heure de Matrix, je connais là-bas bien,
Même Matrice, c'est à côté de la Liège, Belgique. C'est ça. Jordan était là-bas. Jordan était là-bas. Il partait là-bas. Il y avait une boîte de nuit là-bas. Et dans cette boîte de nuit là-bas, Jordan partait là-bas avec son cousin, paix à son âme, qu'on appelait Kaba Dollar. Il est décédé en 2020. Kaba Dollar. OK. Maintenant, on commence. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit ici que j'ai une vidéo où Jordan est au stade du 28 septembre 2009. Oui, mais j'attends. On attend. On a tellement de choses, mais chaque chose a son moment de balancer. Parce que là, on ne peut pas tout balancer, gaspiller, dépenser. Chaque chose a son moment d'être révélée. Et là, vous allez comprendre. Voilà, Matrice Club Kaleba. Quand on parle là, il faut venir confirmer ceux qui voyaient Jordan là-bas. Vous qui êtes là, ceux de la Hollande, venez confirmer les infos du King. Club Kaleba, il partait là-bas. Il vendait. Jordan n'a pas... C'est pas aujourd'hui que Jordan a commencé à vendre Farine Branche là, parce que je ne peux pas dire le nom là dans mon live Facebook. Il surveille tout quand tu dis « Oh, je ne veux pas de problème. » Jordan n'a pas commencé à vendre la farine blanche pendant qu'il est devenu militaire. Jordan, c'est un bandit. Un bandit de longue date. Un bandit de longue date qui n'a ni froid aux yeux, qui n'a ni sentiment, qui n'a rien. Son seul but, il a deux ambitions. Il a deux ambitions. L'argent, la femme. Il a deux ambitions. On va voir. On va voir. Voilà. Quelqu'un a dit Matrice Club Kaleba. Ok, on continue sur ça. Jordan, c'est celui qui a fait descendre Alpha Condé. Voici mon maître Léon. Arrêtez, vous avez tous vu cette vidéo. Partagez le live, s'il vous plaît. Facebook a restreint les vues depuis hier. Les vues sont bas. Partagez le live. Partagez, s'il vous plaît. Ce n'est pas un président dealer. C'était un dealer qui est devenu président. Vous savez, on ne devient pas dealer comme ça. On ne devient pas dealer par magie. Non, ce n'est pas par magie qu'on devient dealer. On devient dealer, c'est quand quelque chose où les patrons te surveillent depuis très longtemps, te font confiance. Et là, tu deviens dealer. Tu sais, vous savez, il y a les démarcheurs de dealers. Il y a ceux qui font les démarcheurs et il y a ceux qui sont les intermédiaires et il y a les boss. Dans ce deal-là, c'est ces trois étapes. Il y a ceux qui font les démarcheurs. Les démarcheurs-là, ils ne vont jamais voir la couleur de la marchandise. Et les démarcheurs vont avoir affaire avec l'intermédiaire qui est en contact aussi avec le boss. Mais le boss-là aussi, il peut se trouver que le boss-là aussi, lui aussi, il a son boss. C'est comme ça. C'est échelon, échelon, échelon. Donc, à l'époque, quand Jordan était à Matrix, à Eindhoven, en Hollande, son boss, c'était son cousin. Son cousin, là, il est décédé. Le Kaba Dollar, il avait une femme blanche. Donc, par l'intermédiaire de ce dernier, le gars-là avait son réseau à part. Et... comme c'est le cousin de Jordan, ils faisaient ensemble. Mais je viens sur ça tout à l'heure. On va décortiquer ça. Vous voyez, mon maître Léon. Hein? Bon. Depuis hier, les gens m'ont envoyé tellement la vidéo. Depuis hier, je n'ai pas parlé de ça, je n'ai pas touché, tout. Parce que la vidéo, on voit quelqu'un qui a un couteau et le couteau est taché de sang. Sur les règles de Facebook,
C'est des vidéos que tu ne dois pas publier. On ne doit pas publier. Il faut les masquer. Est-ce que vous comprenez? Quand vous les publiez, Facebook va couper complètement ta page. Ils vont restreindre. Donc, c'est des trucs à respecter. Maintenant, comme tout le monde a vu la vidéo, je vais mettre la vidéo éloignée. On voit, il a fini de faire le sacrifice. Voilà, Matrice. Il a fini de faire le sacrifice. Il a fait la vidéo là, pourquoi? Il a fait la vidéo là pour garder, pour montrer à son boss. Ce sacrifice là, Jordan était au courant. Ce n'est pas un sacrifice. Jordan, c'est sous l'accord de Jordan. C'est ce que vous ne savez pas. La vérité sur ce sacrifice, c'est sur l'accord de Mamadi, financé par Mamadi, que ces sacrifices ont été faits. Et ce n'est pas le seul sacrifice qui a été fait. Actuellement, le palais est habité par des diables. Le palais Mohamed V est habité par des choses. Ouais. Tout ça là, c'est lui qui a fait. Avant de faire ça, ils font quoi? Partagez le live, mettez les cœurs. Avant de faire ce sacrifice, les Karamoko, je ne veux pas dire les Karamoko, les féticheurs, demandent, qui sont venus du palais pour faire le travail, demandent à ce que tous les chiens qui sont aux alentours du palais Mohamed V, qu'on puisse éloigner tous les chiens. Vous savez, on sait tous que les chiens, ils voient ce que les gens ne voient pas. Est-ce que vous savez ça, non? Les chiens voient ce que nous, on ne voit pas. Les chiens, ils voient ça. Donc, les féticheurs qui sont venus au palais Mohamed V ont demandé à ce que on éloigne, on élimine tous les chiens qui sont autour du palais Mohamed V. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le gars là charge des enfants. Vous savez que le chien a toujours faim. Et j'achète de la viande. Et j'achète beaucoup de viande. Il prépare la viande. Il empoisonne la viande. Et les enfants sortent dans le quartier, derrière le palais. Chaque chien que les enfants voient, ils donnent la viande là au chien. Chaque chien que les enfants voient, ils donnent la viande là au chien. Les chiens mangent et les chiens meurent. Wallah billahi tallahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, Alpha Condé est passé. On est encore tombé dans un régime qui est encore plus satanique, plus pire. Parce qu'Alpha Condé, au moins, il n'a pas empoisonné les chiens. Il n'a pas empoisonné les chiens. Léon paye les enfants. Kaloum Ndimbe. Onara Minitina de Mumbara Falaobe. Onara Minitina. Et Naomere Bafé Serera. Ils sont en train de faire des sacrifices humains. Pourquoi sur cette vidéo? Pourquoi dans cette vidéo? Hein? Il a parlé tout à l'heure qu'il a fait ce sacrifice. Il a sacrifié quoi? Pour nous, c'est un sacrifice humain. Parce que pourquoi? Il s'est filmé après avoir fait le sacrifice. Qu'est-ce qu'il prouve? Que c'est une bête qu'il a tuée. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Quand on vient faire, et dans la vidéo, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais vous faire sortir des coins sombres. Regardez bien la vidéo. Vous n'allez jamais constater, oui, autour de lui, s'il y a une corde, si c'est une bête, un mouton, l'âne,
ou une vache, il faut forcément une corde pour tirer. Pour tirer l'âne, pour tirer le mouton, pour tirer la vache. Allô? Ok, arrivez là-bas, appelez-moi. Mais je suis en live, je vais envoyer mon neveu, il va vous chercher. Il n'y a pas de problème, viens, quand tu viens là, bientôt je vais finir. D'accord, ah, ok, ok, bon, c'est bon, je vais l'appeler, il va vous partir, vous prendre. Désolé, il y a mon petit-fils qui vient me voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, les personnes qui ont fait fuiter cette vidéo, ces personnes ont gardé cette vidéo pour leur sécurité. Et ce n'est pas seulement la partie de cette vidéo. Je suis en train de vous dire la vérité sur cette vidéo. Les personnes qui ont kidnappé la personne sacrifiée ont gardé cette vidéo pour des preuves de survie à cause de leur vie. Et là, le lion les a promis beaucoup d'argent et ils ne sont pas payés. Ils ont peur d'être tués comme le sacrifice qui a été fait. Regardez bien. Regardez bien. Son boubou qu'il porte, c'est taché de sang jusqu'en bas. Regardez bien le boubou qu'il porte. Regardez le boubou qu'il porte. Et on zoome. Vous voyez, tout ça, c'est taché de sang. Le sang là, c'est assez taché de sang. Et il dit au téléphone en sous-sous qu'il va se laver. C'est taché de sang. Mais comme c'est un boubou sombre, couleur bleue, vous n'allez pas voir le sang en couleur rouge directement sur le boubou. La couleur du sang s'assombrit à la couleur du boubou, aux couleurs du boubou. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quel est cet animal qu'on peut égorger et que le sang quitte jusque-là, les mains, la poitrine, jusqu'en bas? Quel est cet animal? Et là, ce qui est encore plus grave, je vais vous mettre au play sur la vidéo. Attendez, j'envoie mon neveu chercher mon petit-fils, s'il vous plaît. Faut pas que j'oublie. Une minute. Maintenant, je suis à vous. J'éloigne la vidéo. Vous avez, on a tous vu. Je déteste les notifications. Nous maramabé. Il dit qu'il va se laver avec l'eau de la mer. Mais cela veut dire que ce que, bon, vous savez qu'ils sont dans une pirogue comme ça à la main. Ils sont en pleine mer. Et ça, le sacrifice là, s'est fait chez nous, à Bolobinet. Ils ont pris la pirogue pour aller en pleine mer, nuitamment. Nuitamment, en pleine mer. Thank you.
Maintenant, quand vous avez regardé la vidéo, les gens, la majorité, tout le monde regarde seulement le couteau, lui, ou vous écoutez ce qu'il parle. Maintenant, derrière lui, vous voyez des jeunes qui sont derrière lui. Derrière lui. Les jeunes qui sont derrière lui. Pour que nous, on confirme que c'est un sacrifice humain. Oui. Sacrifice humain. Oui. Pourquoi ne pas montrer ce qu'il a sacrifié? Et là, ils sont en train de faire descendre, faire disparaître le corps. C'est cela. Faire disparaître le corps. Vous voyez, les jeunes sont en train de lâcher. On ne voit en aucun cas la trace d'un animal ici. En aucun cas, il n'y a la trace d'un animal ici. En aucun cas. En aucun cas, on ne voit la trace d'un animal ici. Et ce qui fait encore plus révélateur, parce que moi j'ai grandi avec les inspecteurs de police, comme je vous ai dit. Et pourquoi transpirer autant pour avoir sacrifié une bête? Pourquoi avoir l'air aussi inquiétant pour avoir sacrifié une bête? On sait tous que pour sacrifier une bête, on n'a pas de... Voilà, on sait que c'est une bête. On sacrifie une bête. Et puis voilà, on s'arrête et voilà, ça passe. On vient, on sacrifie une bête, on dit tant, tant, tant. Mais regardez comment il parle au téléphone. Et regardez comment réellement... Les jeunes actuellement ont peur. Ils n'ont pas. À part de. Il y a une sœur qui dit Yari Silage, il faut lancer appel aux jeunes qui étaient là-bas s'ils parlent anonymement. Les jeunes ont déjà parlé, c'est les jeunes qui ont balancé cette vidéo. Et là, Léon menace les jeunes. Actuellement, il est en train de rechercher ces jeunes. Il est en train de tout faire pour rechercher ces jeunes, pour mettre main sur ces jeunes-là. Attendez. Il y a un nouveau tête de mort. Partagez le live, 530, non, mais avec le King quand même. Partagez le live, hein. Partagez le live. Maintenant, ce sacrifice, j'ai vu beaucoup de personnes en train de dire albinos, 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 albinos. Oui. Ça fait quoi avec albinos? Je suis un enfant de Boulbiné. Je suis né, grandi à Boulbiné. Ma grand-mère directe, maman Atakabo, parlait avec ce qu'on appelle en Soussou Bari. On dit ça, on peut dire ça, les patriarches. Ma grand-mère parlait avec ceci et ma grand-mère avait même un petit chat. Elle était sorcière dans sa sorcellerie pour défendre sa famille. Voilà. Elle était sorcière dans sa sorcellerie pour défendre sa famille. Donc, quand on parle d'albinos, on a notre arrière-grand-mère qui a la clé de Boulbiné. Oui, l'épouse de Bartek Bely. Je dis bien. L'épouse de Bartek Bely, qu'on appelle Mami Wata, qui est notre arrière-arrière. Na falafa na ngoui mes filles. Il y a un nouveau tête de mort. Excusez-moi. Je ne vais pas laisser les gens là. Détruire notre live. Partagez ce live. Je vous dévoile les secrets de Boulbiné. Pourquoi il y a palais à Boulbiné? Pourquoi il y a palais là-bas? Parce que la clé de la Guinée, c'est là-bas. La clé de la Guinée, c'est là-bas. Pour la clé de la Guinée, ouvrir, fermer, c'est là-bas. Et tous ces sacrifices-là, ils ont fait pourquoi?
Ce n'est pas pour autre chose. Il dit que il a parlé que c'est pour éviter bain de sang. Non. Ce sacrifice a été fait pour demander à notre patriarche, notre grand-mère, arrière-grand-mère, notre mamie Wata, de maîtriser les enfants de Kaloum. De maîtriser les enfants de Kaloum. Mais cette grand-mère a un, c'est-à-dire un amour folle, un amour folle pour les albinos. Elle a un amour folle pour les albinos. Son amour, son plus grand amour, plus grand chose que tu peux lui offrir, c'est des albinos. Je suis né, grandi là-bas. Mais ce qu'ils oublient, elle a un grand totem. Mais ce totem-là aussi, je ne peux pas dire ça ici dans le live pour qu'ils le sachent. Pour qu'ils puissent se préparer pour ce totem-là. Elle a plusieurs totems. L'un des totems, c'est qu'elle n'aime pas que d'autres qui ne sont pas de Boulbiné sache que les enfants de Kaloum ont fait un sacrifice concernant son côté. Maintenant, tout le monde sait que Mohamed Lyon Bangoura est parti dans la mer de Boulbiné, au port de Boulbiné, parti dans la mer profonde nuit. Il a fait ce sacrifice-là. C'est pourquoi je vais dire à tout le monde, quiconque qui va dire à notre président ou à tel opposant, d'aller négocier le pouvoir avec Mamadi Doumbouya, tu vas perdre ton temps. Mamadi Doumbouya, c'est un bandit qui est prêt à tout pour rester au pouvoir. C'est un bandit. Il n'a pas commencé ces choses-là aujourd'hui. Partagez le live, Facebook a restreint les vues. Partagez. Maintenant, ces totems-là, sacrifice ne va pas être accepté. En aucun cas, on ne voit dans cette vidéo la trace d'un animal. En aucun cas. Et ce n'est pas la seule chose d'ailleurs. Tous les chiens qui sont aux alentours du palais Mohamed V ont été tués. Tous les chiens. Tous les chiens. Nous, chez nous, là-bas, quand on se couche la nuit, on entend les chiens qui aboient la nuit. Ouh, 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 ouh. Tous les chiens qui aboyaient, qui voyaient des choses venir, il les a tous empoisonnés. Kaloum dit, mais, on va faire des chétans, mais il y a des gens qui ont Eradorongoye, Bagatay, Wontorori, partez dans toutes les communes. Vous pouvez voir des jeunes, oui, ils font des thés. Mais c'est dans notre commune là, ou ma commune, à Folofé Tomboma, Hazarobolobinera. C'est ce que le grand Onassis a parlé. Le gars de la basse côte. Réconciliation. Quand il a fini de parler, Togé Wende Sosogui. Souni Namfama. Tout ce qu'il a dit, il a raison. Ce que nous, on connaît à Kaloum, ce qu'on connaît à Kaloum, c'est deux choses. La pêche et jouer au ballon. Trois choses. La culture, faire du tam-tam, faire du djembé, faire du ballet. C'est ce que nous, on connaît à Kaloum. Mais depuis des années maintenant, tout ça là, Moumana Mouye Baraloué, du Médé, nouvelle génération, tout le monde est devenu grand. Sinon, les enfants de Kaloum partent dans la mer chercher leur dû, c'est-à-dire sur leur propre front. Moi que vous voyez là, j'ai été trop dans la mer. Je connais ça. Pirogba, je connais tout. Mon papa était un pêcheur. Il travaillait dans la fonction publique. Il partait à pêcher encore. Parce que ça, il est natif de ça. Insulaire. On ne va jamais abandonner notre, c'est-à-dire notre truc ancestral.
pourra faire devenir Mandiam. Jamais, Boumarabam. Maintenant, Mamadi qui a ordonné ça, c'est Mamadi qui a ordonné ça. Sinon, dans un état normal, si le gars, ce n'est pas lui qui a ordonné, depuis hier, la vidéo circule, tous les médias sont au courant. Tous les médias sont au courant de cette vidéo. Le gars n'est pas inquiété. Le gars, il n'y a rien. Rien du tout. Sinon, dans un état normal, on va arrêter ce gars, l'enfermer, demander qu'est-ce qu'il est parti faire tardivement la nuit dans la mer. Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Demander les preuves. Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Mais Ibar Abari, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, pourquoi ne pas se fier à Mamadi? Pourquoi ne pas confier? C'est-à-dire, continuer à suivre Mamadi, croire à Mamadi. Parce que Mamadi, c'est un simple bandit qui était un ancien dealer de drogue. Et là, qui ne va rien faire, rien faire comme effort pour que le pouvoir puisse, cette transition puisse être transparent. Naran Yeta, il va falloir que le colonel avait. Toute personne qui avait dit que le colonel avait les bonnes intentions, c'était faux. Tous les discours qu'il faisait, c'était pour faire asseoir son pouvoir et amadouer les gens pour endormir le peuple pour arriver à ses fins. C'est ce qu'il a fait. Et il a réussi. À un moment, là, il a un peu réussi. Mais celui qui était en Hollande, quitter la Hollande, venir à Conakry, c'est cette haine qu'il a contre la famille de Conté. Parce que pourquoi? Allez-y, n'irez en sous Conté Koloa, en sous Conté Maroy. Je ne vais pas dire son nom pour ne pas qu'il l'arrête. À l'époque, Ansu Conté vendait la drogue. Ansu Conté, c'était un vendeur de drogue. Fils de Lansana Conté, avec son grand frère Ousmane Conté. C'est eux qui étaient les narcos. Ils avaient un Nigérien. Le Nigérien là s'appelait John. À l'époque de KSK, la boîte KSK qui était à Ratoma. En ce moment, Mamadi avait un losque. Rastana Nunaruma, il avait les losques. Avec son cousin Kaba Dola, ils sont partis faire du dealer là-bas. Vous savez que le propriétaire du boîte, la KSK, c'est la CIA qui était venue à Conakry pour l'arrêter. Parce que drogue, nyambanyar, ko, c'est de matima nakui. Donc, Jordan. Le clan de Mamadi et le clan de Ansu Conté, c'était des rivaux en matière de vente. Et comme Ansu, lui, son père était président, ils ont tout fait, ils se sont bagarrés avec Mamadi. Quand ils se sont bagarrés avec les Mamadi, dans la boîte KSK, on les a fait sortir au dehors. Mais Ansu, lui, son papa était président. Voilà, on continue. Ensuite, son papa était président. Le régime de Conté a fait arrêter Mamadi. Quand ils ont fait arrêter Mamadi, écoutez, hein, quand ils ont fait arrêter Mamadi, ils ont rasé la tête de Mamadi. Ils l'ont rasé la tête. Il avait la rasta. On l'a rasé sa tête. Et son rasta là a été enlevé. Et là, la rasta bas. Avec son cousin, comment il s'appelle? Kaba Dollar. Ce n'est pas le Kaba Dollar qui a Conakry. Le Kaba Dollar, lui, là, il est décédé. Partagez le live. Facebook a restreint les vues. Partagez le live. Maintenant, Mamadi sort dans cette affaire. Il retourne. Il garde la haine là contre la famille de Conté. Le président qui est là, celui qui est là, c'est un bandit. Il est impliqué dans le massacre du 28 septembre. Il n'a pas froid aux yeux. Il a tué tous les gens qui lui ont barré la route.
Il les a tous tués. Tous. Maintenant, qui va dire qu'on va aller négocier avec lui? Vous allez faire quelle négociation? Hein? Quelqu'un qui est prêt à tuer toute personne qu'il veut pour arriver à ses fins, qui va arriver? Maintenant, ils ont dit donner 80 millions avec Dansa et autres. Et bien, 80 millions, ils ont donné 80 millions aux jeunes de Kaloum que de soutenir le CNRD. Demain, ils vont faire meeting. On a ramené des. Les kidnappings actuellement qui sont à Conakry. Il y a la vidéo qu'on avait mis, la dame. La dame qui a été, c'est-à-dire qui a survécu pour les sacrifices à Doubreka. C'est le Jordan qui est en train de faire ça. C'est Jordan qui est en train de faire ça. C'est Mamadi qui est en train de faire. Tous les kidnappings aujourd'hui, il y a une petite fille qui a échappé au kidnapping à la tannerie. Mamadi n'a rabat fait. Parce que kidnapping Bararaba, Doubreka. Il y a eu kidnapping à Doubreka. Maintenant, la dame, elle a survécu. Les médias ont en parlé. Tout le monde a partagé la vidéo. La vidéo a plus de 500 000 vues. Aucune réaction des autorités guinéennes. La dame a dit que les gens qui l'ont kidnappé parlaient en Soussou et en Konyanké. Les gens de Mohamed Léon et les gens de Amara Kamara. Parce que Biri Nanakoui, c'est eux qui sont impliqués. Maintenant, on doit se préparer à quoi? Là, maintenant, là, ils sont en train de préparer quoi? C'est ce que nous sommes en train de vous dire. On nous a dit ici que dans sous peu de temps, et là, trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Mais ce que je vais vous dire, là, j'ai compris. C'est bon. Je demande à tous les Guinéens, pour l'amour d'Allah, pour l'amour de Dieu, les gens là sont, c'est fini pour eux. À Baragnon, c'est fini. Il faut qu'on se prépare pour entrer dans une seconde transition. C'est fini pour eux. Levez-vous seulement, priez. Levez-vous seulement, priez. C'est fini pour les gens là. C'est fini. C'est fini. Wallahi billahi ta'ala. C'est moi qui vous dis. C'est fini pour eux. Mamadi, le régime de Mamadi là, c'est fini. C'est fini, hein? C'est fini, go. Je suis en train de vous parler. Ce n'est pas des bobards ou bien je suis en train de vous dire quelque chose pour vous faire plaisir. Non, c'est fini. Parce que je sais de quoi je parle. Je ne suis dans aucun rien. Je suis né, grandi, connais tout de là où Mamadi est assis. Connaît tout. Le lion là même, ce n'est pas un vrai fils de Kaloum. Kaloum Dimara, c'est un venin. Le lion là, ce n'est pas lion de. C'est lion. Mohamed Léonais. Ce n'est pas un. La Guinée-Conakry, ce n'est pas un vrai fils de Kaloum. C'est-à-dire, quand on dit la Mohamed Léonais, après les gens ont coupé court. Ils ont dit Mohamed Léon. Au lieu de dire Mohamed Léonais, ils ont dit Mohamed Léon, c'est un Sierra Leonais qui est venu de la Sierra Leone à Fafafa Doro, Conakry Meni. Vous savez, en Sierra Leone, il y a les Bangoura, il y a les Camara, il y a les tout là-bas. C'est un Sierra Leonais, ce n'est pas un Soussoudé. 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 Donc, comme Facebook a restreint les vues, il y a trop de choses à dire. Je ne veux pas venir gaspiller tout ça ici. Ils sont en train de me suivre. Et dans Matofé, vous êtes en train de me regarder. C'est moi qui vous ai dit, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Notre mamie Ouata a dit que c'est fini pour vous. Notre grand-mère a dit que c'est fini pour vous. Notre Bartek Béli, c'est fini pour vous.
Si vous êtes sûr, portez en banlieue. Allez-y. Allez-y habiter en banlieue. Si vous êtes sûr de vous, montez. Allez-y. Partez, montez. Allez-y habiter en banlieue. Allez-y. Allez-y. Aussi, on s'est logé banlieue. Allez-y habiter au Calfire, comme Dadis. Ou bien allez-y habiter au camp Samori, c'est à Kaloum. Allez-y habiter dans un autre camp. Hein? C'est fini pour le régime Bibéro. Là, il a. Maman dit, il fait quoi? Et Allah. Et Allah. Ah, maman dit, il fait quoi? Eh. Jordan, j'ai trop de choses sur toi, putain. On a hérité d'un bandit. Un bandit qui est à la tête de notre pays. Un bandit. Un voyou, vrai bandit. Miri Farah. Vous avez vu comment il... Un militaire. Il n'a jamais été militaire. C'est un milice. Milice. Il est rentré dans l'armée. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Quand il a demandé l'asile, ça lui a été refoulé en Hollande. Il n'avait pas de papiers. Et lui et son cousin-là avaient été pistés. Mais son cousin-là a eu de la chance parce que lui, il avait une femme hollandaise. Maintenant, il a quitté la Hollande pour aller en France. En région Paris. Il est parti en France, en province. Quand il est parti là-bas, vous savez, quand tu demandes l'asile dans l'Union européenne, partout où tu passes, quand tu vas aller poser tes empreintes là-bas, on va faire sortir que tu as demandé l'asile en tel pays, tu as demandé l'asile en tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Maintenant, comme il avait le physique là, physique, sa taille, et la Légion française demande à recruter des gens, oui, des gens différentes nationalités. Tu peux aller postuler n'importe qui. Tu pars, tu postules. Maintenant, là-bas, sur ces critères-là, il a eu la chance, on l'a recruté. C'est comme ça qu'il est rentré. C'est comme ça qu'il est devenu. C'est comme ça qu'il est devenu légionnaire. Ce n'est pas parce qu'il a quitté la Guinée pour aller être légionnaire. Non, 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 non. Maintenant, comme ça chauffait avec affaire de drogue, là, il a quitté la Hollande pour aller se réfugier en France. En France, il ne peut pas rester, il ne peut pas gagner sa vie, il faut qu'il devienne légionnaire, patati patata. Maintenant, il devient légionnaire, c'est le même banditisme là qu'il veut venir faire, imposer dans notre pays. On ne va pas accepter, on ne l'acceptera pas. Aoujbillah et Minashita Nourazib, hein? On l'acceptera pas. Le même banditisme là. On ne va pas l'accepter. Le gars, il vient, il s'asseye. Tous les jours que Dieu fait, nous, on est en train de dormir. C'est pourquoi je vais alerter ici ceux qui sont autour du président, ceux qui sont autour de la première dame. Je vais m'adresser à la commission culturelle de l'UFDG. S'il vous plaît, diminuez un peu les mamayas là. Diminuer un peu les mamayas, là, les danses. Là. On est dans une chose très, très sérieuse. Diminuer un peu les mamayas. Là. On veut que maintenant, quand on part à l'Assemblée, parti culture, là, quand t'entends, on veut que les gens là sentent qu'on est au sérieux. Il faut que ces gens là sentent qu'on est au sérieux. C'est ce qui est la vérité. Maintenant, nous, on est toujours en Assemblée. Après, on danse, on fait la fête, on danse. On a gagné quoi? On a gagné quoi pendant que la bataille est tellement rude? Tellement rude, tellement farouche. On peut voir à l'Assemblée, il y a plus de 10-15 minutes de danse. Les gens sont en train de danser, les gens sont en train de danser, les gens sont en train de danser. Hé, hey, on est avec des gens qui n'ont ni foi, ni pitié, ni remords, ni même pensée. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont maintenant au sérieux avec nous aussi. Maintenant, on est en guerre avec des gens qui font des sacrifices sataniques tous les jours, chaque seconde que Dieu fait. Maintenant, eux, ils nous voient en train de danser.
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rigoler sur nous. Regardez, eux, ils ne connaissent rien. Ils vont rigoler sur nous. Mais quand tu nous vois dans notre sérieux, on est sérieux. On sait qu'on est sérieux. Mais qu'ils nous voient qu'on est encore plus déterminé, plus encore serein, plus encore dur. Comme la dame Maïmouna a dit, la vice-présidente des femmes, qu'est-ce qu'elle, comme ce qu'elle a dit, on veut qu'on soit encore plus dur. On ne prend pas tous ces sacrifices-là. Moi, je prends tous les infos que je viens, je balance ici sur la toile. C'est un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est énorme. C'est ma vie qui est en danger. Les autres aussi, toutes les dénonciations qu'ils font, les tolas et autres, c'est leur vie qu'ils mettent en danger pour ça. Alors, quand les gens, nous, on est en train de mettre nos vies en danger, il faut nous prendre aussi, il faut être sérieux, plus dur comme nous. Non, on vient pas, est-ce que moi, vous me voyez? C'était pendant, après le coup d'État. Mais depuis après le coup d'État, quelqu'un m'a vu danser? Quelqu'un m'a vu faire la fête? Quelqu'un m'a vu danser? Non, je ne mets pas la musique. On est au sérieux. Il faut qu'on se dise que les gens avec qui on est là, ce n'est pas des gens avec qui on va danser, faire la fête. Faire la fête. La commission culturelle de l'Assemblée, là, c'est bon, vous pouvez mettre la musique. Mais s'il vous plaît, arrêtez de danser. Arrêtez de danser, arrêtez de faire la fête. Notre président, cette semaine, c'est vrai, on ne veut pas qu'on le voit, bon, assis, non. Il a été grandi encore. Parce que depuis cette semaine, les visites qui s'accumulent, c'est trop. Il est même fatigué, il ne dort même pas bien. Il ne dort même pas bien. Maintenant, notre président est sorti dans sa maison. On doit rester calme. Chaque jour, on peut faire la fête. Mais on doit rester calme maintenant. Laisser un peu les mamaya là. Prendre les choses au sérieux. Ce n'est pas mamaya là qui va donner le pouvoir à ses loups. Ce n'est pas mamaya là qui va donner le pouvoir à ses loups. On a dansé depuis 2015. Combien? Depuis 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On danse. Maintenant, arrêtons de danser. S'il vous plaît. Mes mamans, mes tantes, mes tontons, le combat est encore plus difficile parce que les gens qui sont en face là, c'est des bandits. C'est des bandits qui assassinent. Ils n'ont aucune pitié. Aucune pitié. Ce qui les intéresse, c'est de rester au pouvoir. Alors il faut qu'ils sentent en nous qu'on est prêt face à eux à aller jusqu'au bout. S'il vous plaît, laissons la mamaya là un peu. Laissons la mamaya là.